bien, salut les VTTistes, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on est le 28 février, dernier jour du mois de février. Alors c'est encore l'hiver, comme vous pouvez le voir, je suis entouré de pas mal de neige. Bah, ça a été un hiver très compliqué pour les skieurs dont je fais partie. Les conditions de neige en ski de rando, c'est vraiment la cata. À chaque fois qu'il neige un petit peu, derrière ça souffle, puis il n'y a pas grand chose. Voilà, donc on a fait beaucoup de vélo cet hiver. Pas mal de gravel, ça m'a permis de garder la caisse. Et puis là, une petite envie de ressortir le vélo nucléaire, il est là, là, pour monter un petit peu dans la neige. Alors aujourd'hui, c'est top, hein, parce que ça porte super bien. Il faudra juste pas sortir des traces à la descente, sinon c'est l'OTB assuré. Mais sinon, les conditions sont super bonnes. Et je suis dans un endroit qui m'est cher. J'étais venu cet été dans un des épisodes que vous avez pu voir précédemment. Je vous mettrai la petite vignette quelque part là, en haut à gauche. Voilà, allez, on va se retrouver tout de suite en caméra embarquée, juste avant un petit panoramique pour voir où est-ce qu'on est. Voilà, à tout de suite. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside you. Ah bah voilà, hein, ça porte super bien aujourd'hui, ça monte tranquillou. La descente ici, ça devrait bien aller. Par contre, faut surtout pas sortir de la crosse, sinon c'est le TB assuré. J'en profite pour dire, ça va bientôt faire un an que cette chaîne existe, enfin, que cette chaîne elle existe depuis longtemps, mais que j'ai commencé à faire régulièrement ces épisodes en VTT. Et j'ai toujours qu'une vingtaine d'abonnés. Bon, c'est pas très grave, hein, je m'en fiche, je fais vraiment pas ça pour ça, c'est juste pour le plaisir, pour moi. Et puis pour ceux qui me suivent un petit peu, la plupart du temps c'est des copains, ça leur permet soit de retrouver les vidéos où ils sont présents, soit que je puisse leur faire partager les petits moments que je passe tout seul sur mon vélo. Ça grimpe. Donc voilà, on va continuer dans cet ordre d'idée là. Tant pis, même s'il n'y a pas d'abonnés, on s'en fiche. Enfin, ça ne vous empêche pas, si vous voulez vous abonner, hein, n'oubliez pas quand même. Ainsi que le petit pouce si vous aimez. Et la petite cloche pour les notifications. Voilà, on va arriver à toi à la croix. Je sais pas si j'irai plus haut. C'était en tous les cas l'objectif. Alors en ce moment, à cet endroit, on y rencontre plutôt des raquettistes et des skieurs de rando comme là, que des vététistes, ça c'est sûr. Comme ça, faire comme le fait tout le monde. Moi je viens de l'eau. Voilà. La croix du plateau, c'était l'objectif du jour. C'est une jolie vue en face. Allez, c'est parti.
Alors le danger là, c'est de sortir de la trace faite par les piétons qui est dure. Parce que si j'en sors, juste vous donner un exemple. Voilà. Alors quand ça porte bien comme ça, on peut descendre quand même vachement, enfin assez vite. Hein. Là ça glisse pas. J'aime bien tout le temps la tête des gens que je croise qui sont en raquette ou en ski quand je les doute comme ça en vélo. Allez, soyons fous, on va tenter tout droit en ski rail. C'est pas une bonne idée, on verra bien. Est-ce que ça le fait. Allez. Ça, ça va finir en OTB. Merde, il y a de la bouillasse. Youhou! C'est tout bien. Alors, qui fait grands espaces pour reprendre les singles, on va falloir faire gaffe. Je pense que par endroit il va y avoir des bonnes plaques de glace. Bon, ça va, aujourd'hui c'est bon, ça dégèle, ça glisse. Pour rappel, j'ai pas de pneus clous, hein, j'ai tout, tout à fait normal. Je vais vous laisser ici, ça va être la fin de cet épisode des jeux. Parce qu'après il y aura moins de neige, ce sera beaucoup moins drôle. A bientôt, ciao ciao.